Saad Hariri maintient la pression sur le Hezbollah. Il souhaite rester Premier ministre, mais dit ne pouvoir le faire que si le puissant parti chiite pro-iranien Hezbollah fait preuve de neutralité, s'il ne s'ingère plus dans les affaires d'autres pays arabes. Si l'Iran et le Hezbollah acceptent le nouvel équilibre qu'il propose, il restera en fonction. Dans le cas contraire, il partira. Le Liban ne peut pas résoudre une affaire comme le Hezbollah, qui est une affaire régionale, car le Hezbollah est au Liban, est en Syrie, en Irak, partout, et c'est à cause de l'Iran. C'est une solution politique régionale qui doit se faire. Revenant sur sa démission surprise le 4 novembre, Saad Hariri a assuré avoir voulu provoquer un choc auprès des Libanais. Il a répété avoir pris cette décision de son propre chef et non sous la contrainte de l'Arabie Saoudite. Il estime que sa vie est toujours menacée en raison de sa politique très dure contre les extrémistes et sa position tout aussi ferme contre le régime syrien.